Bonsoir les jeunes, comment allez-vous? Et voilà aujourd'hui, toujours, c'est la succession des vidéos de la révision de grammaire. Et c'est à peu près la dernière vidéo qui va commencer par la forme passive. On a dans notre programme la phrase passive, la phrase simple. Il n'y aura pas toujours la phrase complexe. La phrase active doit renfermer un COD, bien sûr, pour faire la transformation de l'active au passif. Le sujet de la phrase active devient le complément d'agent dans la phrase passive, c'est-à-dire devient après le par. Le COD de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Le verbe être est utilisé dans la phrase passive en même temps du verbe de la phrase active. Le verbe de la phrase active sera au participe passé. On va appliquer d'après les exemples pour vous faciliter la révision. Pierre dessine les aventures. Pierre dessine quoi? Puisque je suis sûr qu'il y a un COD, donc je vais leur faire la transformation en sujet verbe COD. Je vais faire la transformation de la phrase active passive. Alors les aventures de Tintin sont dessinées par Paul ou par Louis. Ici, dessine faire présent, j'ai conjugué verbe être au présent. J'ai dessiné les aventures de Tintin. Les aventures de Tintin ont été dessinées. Verbe dessiner était au passé composé, donc je vais mettre verbe être d'abord au passé composé et le verbe de la phrase au participe passé. Et puisque ce verbe est venu après verbe être, donc il va s'accorder avec son sujet. Tu dessinais les aventures de Tintin. Les aventures de Tintin étaient dessinées par toi. Elle dessinera les aventures de Tintin. Les aventures de Tintin seront dessinées, E-M-U-S, par elle. La fille avait dessiné les aventures de Tintin. Teba, les aventures de Tintin avaient été. Je dois mettre verbe être d'abord au plus que parfait. Et dessiner toujours au participe passé, le verbe principal de la phrase. Et on n'oublie pas l'accord. Faites attention à l'accord dans la plupart des leçons. Paul aura dessiné les aventures de Tintin. Les aventures de Tintin auront été dessinées par Pierre. Pierre dessinerait les aventures de Tintin. Les aventures de Tintin seraient dessinerait ici conditionnel présent. Alors je vais mettre d'abord être au conditionnel présent. Serait dessiné par Pierre. Elle aurait dessiné les aventures de Tintin. Les aventures de Tintin auraient été. C'est le conditionnel passé. Et je vais mettre être d'abord au conditionnel passé. Aurait été dessiné par elle. Il faut que Pierre dessine les aventures de Tintin. Il faut que, c'est la première partie qui ne sert à rien, les aventures de Tintin soient. C'est très important ici de savoir que le verbe dessine ici est au subjonctif. Et comprendre le sens, et ça vient toujours ou la plupart avec verbe il faut que, je veux que. C'est toujours les phrases pour le français général un peu simples, pas du tout compliquées. Soit dessiné par Pierre, qui dessine les aventures, le qui ici comme sujet, ici en même temps va devenir complément d'agent, et toujours au début de la phrase, parce que c'est le mot interrogatif en même temps, par qui les aventures de Tintin sont dessinées. Numéro 12, il va prendre la moto avec ses amis. Comme je dis, il n'y a pas la phrase complexe. Alors, la moto, ici, va prendre. On va mettre verbe être toujours au futur proche comme verbe va prendre. Va être. Et verbe prendre, le verbe principal de la phrase, c'est toujours au participe passé. Pris. Puis, j'ajoute l'accord. Prise. Par lui avec ses amis. Ils viennent de casser ses vitres. Ses vitres viennent d'être cassées par eux. Ici, verbe « au » vient de casser passé récent. Je vais mettre d'abord verbe « être » au passé récent. Ses vitres viennent d'être et casser toujours le verbe principal de la phrase au participe passé. C'est trop simple pour nous, la voix active et passive, parce qu'on a toujours la phrase simple. La dernière partie, la plus importante, c'est on travaille sur quelques conjonctions de ces deux tons.
Surtout, le quand, le lorsque, le dès que, après que, aussitôt que. C'est plutôt ces cinq conjonctions et sont basées sur l'idée de l'antériorité, une action avant l'autre. Si le verbe après ces conjonctions va être au passé composé, l'autre va être au présent. Si le verbe après ces conjonctions au futur antérieur, l'autre va être au futur simple. Si le verbe qui est après ces conjonctions au plus que parfait, l'autre va être à l'imparfait. Comme Paul sortir, sa mère le punir. Ici, vous êtes libre, il n'y a pas un indicateur de temps qui prouve c'est de l'imparfait ou le futur. Alors, je peux dire comme Paul est sorti, sa mère le punit. Comme Paul sortir prochainement, sa mère le punit. Alors, il y a ici un indicateur du temps qui me dirige vers le futur antérieur, futur simple. Sera sorti, punira. Comme Paul sortir la veille, sa mère le punir. Alors, puisqu'il y a la veille, comme Paul était sorti, sa mère le punissait. Comme Paul est sorti, sa mère le punit. Ces deux idées sont correctes. Alors, une autre idée, il peut vous apporter, mes petits, les conjonctions, il vous demande de faire la transformation nominale. Alors, le quand, ça devient à au plus non. Le lorsque, lors de plus non. Quand tu seras sorti, je dormirai. Alors, à ta sortie, je dormirai. Le après que, après plus infinitif passé. Après que tu avais lu ce roman, tu sortais. Après avoir lu ce roman, tu sortais. Il y a après plus non. Mais la plupart du temps, le après fait le français général, c'est plus le participe passé. Dès que ça devient des plus non, dès que tu auras commencé, tu descendras. Dès le commencement, tu descendras. Il y a le avant. Il y a trois formes d'avant pour le français. S'il vous apporte deux phrases à relier par avant que, c'est le plus subjonctif. Avant seul, plus non. Avant deux, plus infinitif. J'espère, c'est très important, espère. Si verbe espérer au présent, alors le subordonné futur simple. Si le verbe espérer à l'imparfait, le subordonné conditionnel présent. Je répète souvent cette idée parce qu'elle vient souvent à l'examen. J'espère que je réussirai, futur simple. J'espérais que je réussirai. AIS brillamment. Pendant que et au moment où, les deux ont le même sens en français, mes petits. Ils peuvent avoir deux verbes en même temps, les deux actions se passent en même temps, donc je vais conjuguer les deux verbes en même temps. Pendant que je travaille, ma mère prépare le déjeuner. Et les deux peuvent avoir un autre sens. Une action longue interrompue par la courte. Alors, au moment où je traversais la rue, j'ai vu un voleur. L'action longue à l'imparfait, l'action courte au passé composé. S'il vous apporte pendant que ou au moment où, et il vous demande de faire la transformation nominale, alors pendant que je travaille, ma mère prépare le déjeuner, ça devient pendant mon travail, ma mère prépare le déjeuner. Au moment où je traversais la rue, j'ai vu un voleur. Au moment de ma traversée la rue, j'ai vu un voleur. C'est tout le point le plus important de notre programme. Et puisqu'on a besoin de travailler, mes petits, la nominalisation, alors on a besoin de faire un petit rappel des verbes et des adjectifs et leurs noms. Par exemple, si on va dire produire, la production, inquiéter, l'inquiétude, retourner, le retour, réveiller, le réveil, promener, la promenade, lever, le lever, nourrir, la nourriture, réduire, la réduction, peindre la peinture, détruire la destruction, craindre la crainte, retourner le retour, vouloir la volonté, entrer la rentrée, douter le doute, sortir la sortie, regretter le regret, arriver l'arrivée, obliger l'obligation, suivre la suite, améliorer. Pardon, rester le reste, améliorer l'amélioration, séparer la séparation.
peur de la perte, décrire la description, gagner le gain ou la victoire, finir la fin, avertir l'avertissement, commencer le commencement, aboyer l'aboiement, pleuvoir la pluie, juger le jugement, travailler le travail. Et il y a à côté de travailler, tomber, il y a la tombée et la chute. Encourager l'encouragement, rechercher la recherche, arrêter, il y a l'arrêt et l'arrestation. Corriger la correction, courir la course, défendre la défense, lire la lecture, chasser la chasse, écrire écriture, acheter l'achat, lancer le lancement, promener la, prononcer la prononciation, conduire la conduite. De, ouvrir l'ouverture, dormir le sommeil, fermer la fermeture, recevoir la réception, croire la croyance, voir la vue, pouvoir la puissance, le pouvoir, mouvoir le mouvement, expliquer l'explication, jouer le jeu, vendre la vente, crever la crevasse, examiner l'examen, aider l'aide. Demander la demande, connaître la connaissance, siffler le sifflement, penser la pensée, répondre la réponse, réfléchir la réflexion, plaindre la plainte, refuser le refus, ordonner l'ordre, habiter l'habitation, changer le changement, loger le logement, choisir le choix, bavarder le bavardage, exprimer l'expression, glisser le glissement, présider la présidence, résidence, monter la montée, tourmenter la tourmente, descendre la descente, partir le départ, naître la naissance, résoudre la résolution. Décorer, il y a la décoration, le décor, effrayer, pardon, reposer, le repos, hurler, le hurlement, inviter, invitation, effrayer, l'effroi, triompher, le triomphe, égayer, la gaieté, faire, le fait, éduquer, l'éducation, affirmer, l'affirmation, effarer, l'effarement, tourner, le tournoiage, concevoir, la conception. Il n'y a plus que les verbes et le nom, il y a aussi mes petits, les adjectifs aussi et les noms. Si on va se rappeler de quelques adjectifs, on va trouver par exemple gentil, la gentillesse, adroit, l'adresse, poli, la politesse, maladroit, la maladresse, stupide, la stupidité, lourd, la lourdeur, riche, la richesse, joyeux, la joie, pauvre, la pauvreté, courageux, le courage, intelligent, l'intelligence, peureux, la peur, maigre, la maigreur, facile, la facilité, gros l'agresseur, la grosseur, difficile la difficulté, épais l'épaisseur, inquiet l'inquiétude, impoli l'impolitesse, curieux la curiosité, prudent la prudence, sale la saleté, imprudent l'imprudence, propre la propreté, bête la bêtise, méchant la méchanceté, beau belle, ce sont les deux adjectifs, la bêtise, méchant la méchanceté, beau belle, pardon, vieux vieille, toujours des adjectifs, le nom, la vieillesse, profond, la profondeur, vieux, la vieille, la vieillesse, profond, la profondeur, laid, la laideur, paresseux, la paresse, nouveau, la nouveauté, timide, la timidité, généreux, la générosité, béni, bénédiction, avare, avarice, bavard, bavardage, souple, la souplesse, sec, sèche, la sécheresse, léger, la légèreté, froid, la froideur et le froid, malheureux, le malheur, gratuit, la gratuité, distrait, la distraction, coléreux, la colère, maladroit, la maladie, doué, le don, grand, la grandeur, talentueux, le talent, chaud, la chaleur, adroit, l'adresse, léger, la légèreté, supplémentaire, le supplément, lâche, la lâcheté, généreux, la générosité, mystérieux, le mystère, populaire, la popularité, ambitieux, l'ambition, rigoureux, la rigueur, ambigu, yani tamouh, l'ambigu, ambitieux, tamouh,
L'ambition rigoureuse, la rigueur quasi, ambiguë, rame de l'ambiguïté, commémorable, gedir bizikr hagamet et nisish, la commémoration concurrentielle, la concurrence vitale, la vie esthétique, tegmili, l'esthète, elle tegmil. Régional, la région émotionnelle, l'émotion accessible, l'accès qui est venu plusieurs fois. Doux, douce, la douceur, objectif, l'objectivité, célèbre, la célébrité, nautique, bahariya, la navigation, melahiya. الملاحة فرم هنا بمعنى شديد قاسي مش يقفل لا فرمتي سيمباتيك لا سيمباسي كوميرسيال لو كوميرس فيلغير لا فيلغاريتي ميزيرو لا ميزير اكيفو ليكيفالونس اي ليكيفالون ايكورون كاردياك سي لو كور لوكال لا لوكاليتي. Et voilà mes petits, pas mal des verbes et noms, des adjectifs et noms qui viennent souvent à l'examen. Alors on a besoin de faire quelques petites révisions. C'est pourquoi on va faire des révisions les prochaines fois. Merci mes petits, à votre attention et attendez-moi, on va commencer à faire des exercices de révision et les questions de la bouclette. Merci, à tout à l'heure. N'oubliez pas toujours de mettre like et subscribe. Au revoir.